Cette horreur quotidienne qui était voulue par les Allemands, qui était voulue parce que c'est à travers tout ça, espèce d'abjection qu'on sentait par rapport à soi-même, qui faisait que les gens avaient beaucoup de peine à rester des êtres humains. C'était la nuit, vers minuit, des projecteurs, les chiens qui aboient, les SS qui crient, des espèces d'êtres de bagnards qui vous poussent hors du train, qui vous bousculent. Et... on est déjà dans un monde où on est complètement dépaysé. Donc, à partir de ce moment-là, plus rien ne ressemble à rien. Ça va en plus très, très, très vite, puisque très vite, on ne prend pas quelquefois juste un bagage à main qu'on laisse sous dans les wagons. Très vite, il y a la sélection sur le ballast, sur la rampe, et la sélection où on est séparé, où on ne comprend pas pourquoi il y en a qui vont d'un côté, l'autre de l'autre. On vit chaque moment, qui chaque fois est une surprise encore plus grande par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. Jusqu'au moment où, une fois que le tri est fait et qu'on marche pour arriver jusqu'à une espèce de grand hangar où il n'y avait rien, on est tous entassés. Quelques déportés qui sont là, qui sont donc aussi en robe rayée, qui commencent à essayer de nous dire si vous avez des bijoux, si vous avez ceci, si vous avez cela, essayer de nous prendre tout ce qu'elles peuvent, en disant de toute façon, on vous prendra tout. Alors ça, c'est la première chose. On sait qu'on n'aura plus rien. Puis très tôt... très tôt sont arrivées les équipes qui étaient chargées du tatouage, de raser les cheveux, de raser tous les poils, de raser tout ce qu'on pouvait raser. Avec, quand je parle de raser les cheveux, cette chance tout de même, et je dis chance parce que ça a joué sur... sur notre destin, ça a joué dans certains cas. En tout cas, sur notre morale sûrement. Nous sommes à peu près le seul convoi dans cette période-là où les femmes n'ont pas eu ou la plupart, sauf quelques-unes, on ne sait pas pourquoi, mais n'ont pas eu les cheveux complètement rasés. Mais d'avoir quelques centimètres de cheveux ou une tête complètement rasée dont on ne voit que le crâne, c'est tout à fait différent. Le tatouage, ça donne surtout le sentiment de quelque chose de définitif. Dans l'esprit des SS, on ne sortira jamais. Enfin, c'est la condamnation à perpétuité. Et dans l'esprit des déportés, comment vous l'avez vécu ? Ben, on vit comme ça, c'est ça que je veux dire. On l'interprète comme ça, comme une... oui, d'être tatoué comme... je dirais comme des animaux, parce que même les bagnards ne sont pas... Puis de devenir en même temps, puisque ça devient le numéro par lequel on nous appelle, devient notre identité. En même temps. On va dans une sorte de zona, à ce moment-là qu'on s'habille et qu'on est complètement nu, qu'il y a des douches. Tous les gens qui avaient de la famille et qui sont laissés leur famille demandent de façon très répétitive ce que sont devenus les autres, puisqu'on avait dit qu'on les retrouverait le lendemain. Des déportés qui nous disent, moi, ceux qui étaient avec vous, regardez la cheminée, ils sont déjà partis, ils ont déjà été gazés. La fumée, c'est ce qu'il en reste. Que leur corps ait été au crématoire. Pour nous, on pense que c'est nous démoraliser ou par méchanceté pure, on a beaucoup de mal à imaginer que ça puisse être vrai.